Gloire à Dieu. Moi, c'est le frère Yabi Yabi de Munga, département d'Alepé. Mon faisait des disciples, c'est le pasteur Embryon Marc. Depuis longtemps, je souffrais. Tout le village, toute la communauté de mon ethnie était à mes trousses. Donc, je ne pouvais pas vivre dans le village. J'ai fui le village. Je suis allé me cacher au campement. J'ai fait des années au campement. J'ai fait 15 ans au campement. En 2016, ils m'ont dit, c'est le jour, en 2016, que je vais mourir. J'ai dit, ah. Et puis, effectivement, le jour arrivé, maladie par-ci, par-là. Je ne sais pas que faire. Jusqu'à ma fille m'a appelé. Il dit, de venir à Abidjan, ils vont prier pour moi. Il a déplacé des pasteurs dans mon village là-bas. Quand moi j'ai vu des péchés là, j'ai dit non, c'est pas possible. Ça là, je ne peux pas. J'ai refusé. Mais quand j'ai vu que vraiment, je suis troublé maintenant, j'étais obligé de venir. En 2016, le 15 août, nous sommes chefs dans notre village, nous devons fêter. Ma fille dit non, si tu fais ça, dans fête là, c'est ça, on va te tuer. J'étais obligé. Il m'a donné l'argent, je suis venu. Au moment où je suis arrivé ici à Abidjan, vraiment, Dieu m'a sauvé le même jour. Avant, je ne dormais pas. La nuit, je ne dormais pas. La journée, je ne dormais pas. Mais je suis arrivé ici, plus de cauchemars. J'ai dit très bien. Jusqu'à, ils ont fait ma repentance, mes brisements des liens, tout. Je me suis retourné au village. J'étais arrivé au village le premier jour, je suis allé demander pardon au président des sorciers de la République de Côte d'Ivoire. Parce que notre village, mon village, la capitale de Côte d'Ivoire, il y a un président là-bas. Chaque année, il y a 800, 900 personnes qui meurent dans le village. Chaque samedi, on enterre 9, 10 personnes. C'est pas possible. Donc, je suis arrivé, je suis allé saluer le Premier ministre. J'ai dit, Premier ministre, je te pardonne de tout ce que j'ai fait. Il m'a demandé, qui t'a dit de venir me demander pardon? J'ai dit, maintenant, je suis en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il m'a dit, tu as la chance. Sinon, c'était hier, je suis allé te mettre à l'abattoir. J'ai dit, merci. Donc, dans ces jours-là, depuis lors, je ne rêvais pas. Un jour, je rêvais. En rêve, j'ai vu tout le village qui venait m'attaquer. J'étais là, et ils venaient. J'ai vu un long groupe, ils venaient. Jusqu'à arriver à un certain niveau, à 2 mètres, le vent les a portés. Acclamons pour Jésus-Christ. Et puis, ma grande sophie, je vois un deuxième groupe encore qui venait encore. Deuxième groupe. Arrivé au même niveau, le vent les a portés. Troisième groupe qui venait encore. J'étais là. Le vent les a portés encore. Maintenant, j'attendais en haut la voix d'une femme. Il dit, le frère Yabi Yabi qu'on connaît ici, c'est lui qui est fort maintenant ici. Laissez-moi, maman, je vais l'attaquer. Maintenant, je regarde là-haut, je vois une voix noire. Elle a déchiré, descendu devant moi. Elle me regarde, je la regarde. Et puis je dis rien, elle aussi dit rien. Et puis d'un coup, il y a 4 gaillards qui sont descendus derrière elle. Deux a pris un de ses bras. L'autre bras aussi, 2 ont pris. Et puis le feu a soit boum. Ils l'ont tiré jusqu'à aller le mettre dans un coup. Jésus-Christ, c'est Seigneur.
deuxième rêve, un autre jour encore, le village venait m'attaquer. Il venait en groupe, avec force, avec sueur. Au moment où il voulait arriver près de moi, j'ai dit, vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ, ce sont plus feu. Ils sont brûlés. Donc, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à ce jour. Merci beaucoup. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Prenons nos Bibles. Let's take our Bibles. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22. Du verset 24 au verset 31. Reading from verse 24 to verse 31. Lis pour nous ce passage-là. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Il ne faut pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ses prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Ce qu'on peut retenir de ce passage, what we can retain from this passage, c'est que le peuple vit dans le dérèglement total. Is that the people is living in total disorder. Dans le désordre. In disorder. Dans le mensonge. In lies. Dans l'idolâtrie. In idolatry. Dans l'hypocrisie. In hypocrisy. Les chefs de famille the sont family corrompus. Chiefs are corrupted. Tu vas dans les grands lieux de service, les chefs sont corrompus. You go in big places of work, people, the chiefs, the heads are corrupted. Tu peux trouver le père et la mère séparés depuis 35 ans. You can find the father and the mother separated since 35 years. Tu trouves que ceux qui sont appelés sacrificateurs mentent, volent. You find out that those who are called priests, they lie and they steal. Et Dieu cherche quelqu'un parmi eux. And God is seeking someone in the midst. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. That is the good tidings. Dans tout ce désordre. In all this disorder. Dans toute cette immoralité. In all this immorality. Dans toute cette idolâtrie. In all this idolatry. Dieu manifeste encore son amour. God still shows his love. Il dit, il cherche quelqu'un qui va se tenir devant lui pour plaider, pour prier pour le peuple afin que Dieu ne le détruise pas. He's saying that he's seeking someone who will stand in his in front in before him
to intercede for the people, for him not to destroy that people. Donc ce soir, so tonight, tu vas dire à Jésus, you are going to tell Jesus, trouve-moi. Find me. C'est-à-dire, me voici. Here, that is, here I am. Moi, je veux le faire. I want to do it. Et si tu le fais convenablement, and if you do it conveniently, Dieu va t'exaucer. God will grant you. Puisque c'est lui-même qui montre la voie. Because he himself is the one who is showing the way. Quand toi tu croyais même que tout est fini, que tout est gâté, Dieu when te révèle que tu peux encore sauver la situation, toi, par ta prière. While you are thinking that everything is destroyed and finished, over, God reveals to you that you can change the situation. Quand tu regardes ta famille, when you look at your family, tu vois la confusion, le désordre, la pauvreté, le péché. You see confusion, disorder, poverty and sin. La violence, violence, la sorcellerie, witchcraft, les envoûtements, bewitching, bewitchment, et leurs conséquences. And all its consequences. Quand tu es découragé, and you are disheartened. Quand tu es abattu, when you are discouraged. Le Seigneur te dit, the Lord tells you, je les vois chaque jour. I see them every day. Ou alors, je vous vois chaque jour. Or I see you every day. Mais je cherche quelqu'un, but I'm seeking a man, qui va prier pour vous, who will pray for you, qui va me dire, ne les détruis pas, ne les détruis pas, ne les détruis pas. Who will say, don't destroy, do not destroy them, do not destroy them. Est-ce que le Seigneur te trouvera? Will the Lord find you? Dieu ne cherche pas quelqu'un qui va venir encore les maudire. God is not seeking someone who will come and curse them more. Il cherche quelqu'un qui va prier pour eux. He's seeking someone who will pray for them. Frère, il y a beaucoup de doctrines sur la terre maintenant. See, there are many doctrines about it now. On the earth now. Il y a des églises où on enseigne aux croyants comment prier pour tuer les sorciers de leur famille. There are churches where believers are taught how to pray and kill the sorcerers of their family. Ils n'ont pas la révélation. They do not have the revelation. Dieu ne cherche pas les destructeurs. God is not seeking destroyers. Dieu cherche les intercesseurs. God is seeking intercessors. Quand Dieu arrive dans une famille, when God comes into a family, il ne veut même pas quelqu'un qui va lui rappeler que ces gens sont mauvais, ils sont méchants. Il voit tout ça. Dieu connaît tout ça. He does not want even someone to recall him that they are bad, they are evil. He knows all this. Mais Dieu a créé une formule pour sauver les gens sans péché lui-même. And God, c'est-à-dire sans favoritisme. And God has created a formula to save man without sinning himself. This is showing being impartial. Parce que le diable est un accusateur. Because the devil is an accuser. Le diable veut que Dieu rejette tous les hommes, qu'il les jette en même temps dans l'enfer. The devil wants God to reject all men and cast them into hell. Donc quand tu es croyant, so when you are a believer, le diable passe tout le temps à dire, tu, regarde comment, regarde, il ne s'est même pas réveillé à l'heure, il a dit qu'il va se lever à 7h, tu vois, il est en retard d'une minute. You know, the devil spend all this time saying, you see, he said that he will stand up at 7, but he's late, he does not get up on time. Et il a pris une bouffée de plus. And he has taken something more. Frappe-le. Strike him. C'est l'accusateur. He is the accuser. Ceux qui tuent les gens sont des sorciers. Those who kills men are sorcerers. Les croyants sanctifiés prient pour le salut. But believers who are sanctified pray for the salvation. Ce soir, tonight, tu vas dire à Jésus, you are going to tell Jesus, moi je vais le faire. I want to do it. Et nous serons exaucés. And will be granted. Dis à Jésus, tell Jesus, moi je veux le faire. I want to do it. Je veux me tenir devant ta face. I will stand before you. Je veux plaider. I will plead pour que le malheur s'arrête.
For unhappiness to stop. Est-ce que c'est une chose intéressante d'enterrer les morts tous les week-ends, Is it something interesting, good, to bury the dead all the weekends? Chaque fois on te dit telle était enceinte, elle a avorté, telle était enceinte, elle a fait fausse couche. Est-ce que c'est bien? Is it good when you hear that such person was pregnant and she has aborted, she has killed? Is it good? Tu vois quelqu'un, il dit qu'il est croyant. Après, tu le vois sous. You see somebody who bien? Says that he is a believer, and after you see him drunk, is it good? Nous pouvons arrêter ça. We can stop ce que this. Dieu demande. Et Dieu dit, si ne trouve personne. And God says that if he finds no one, il va frapper lui-même. He will strike himself. C'est là où vous voyez que les gens ont des problèmes. That's, it is at this level that you can see that people Dieu have problems. Exerce ses jugements. S'il ne trouve pas les gens pour prier, il va commencer à juger. And if God does not see someone, find someone to pray, he will start judging. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. I'm seeking among them a person who raises a wall, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays, who stand in a gap before me on behalf of the land, afin que je ne le détruise pas, that I should not destroy it, mais je n'en trouve point, but I find no one. Je répandrai sur eux ma fureur, therefore I have poured out my indignation on them, je les consumerai par le feu de ma colère, I have consumed them with the fire of my wrath, je ferai retomber sur leurs œuvres. Je ferai retomber les œuvres sur leurs têtes. And I have recompensed their deeds on their own heads. Nous pouvons dire à Dieu, ne le fais pas. We can tell God, do not do it. Nous pouvons dire à Dieu, pardonne. We can tell God, forgive. Et bénis. And deliver. Ouvre les cœurs. Open the hearts. Ouvre les cœurs. Open the hearts. Lis pour nous Jean chapitre 12 versets 31 et 32. Read for us John chapter 12 verse 31 and 32. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Jésus dit, Jesus says, le salut commence par un jugement clair. The salvation starts by a clear judgment. Il faut juger le diable. The devil must be judged. C'est-à-dire qu'il faut proclamer que ce qu'il fait n'est pas bien. That is, it must be proclaimed that what he's doing is not il good. Il faut proclamer qu'il mérite le lac de feu. It must be proclaimed that he deserves the lake of il fire. Il faut proclamer qu'il ne doit pas être suivi. It must be proclaimed that the devil must not be followed. Il faut proclamer que tous ces esclaves doivent être libérés. C'est ça qu'on appelle juger le diable. It must be proclaimed that all his slaves will be released. Tu lui dis tu ne dois habiter chez aucun homme. Tell him that you must not live by any man. Parce que Dieu t'a déjà maudit. Because God has already cursed you. Tu dois ramper dans la poussière tous les jours. You must crawl in the dust every day. Et tu dis à Jésus. And you tell Jesus. Seigneur, Lord, tu as dit dans ta parole, you said in your word, qu'après ta crucifixion, that after you've been crucified, toi-même tu vas attirer les hommes à toi. You yourself will draw people. Accomplis-le pour ma famille. Do it for my family. Il dit, quand le fils sera élevé, when the son will be lifted, il attirera tous les hommes à lui. He shall draw all men to me. Dis à Jésus. Tell Jesus. Accomplis ça maintenant. Accomplish this word for me. C'est à ce moment-là que vous allez réaliser que même les ivrognes chroniques vont vomir l'alcool et être délivrés. It is at that time that you realize that even the chronic drunkard will vomit alcohol and be freed. C'est là où vous verrez les réconciliations. Comme celle que nous avons vue ce soir. It is a time that you will see reconciliation as we witnessed this afternoon. Alléluia. Praise the Lord. Quand Jésus va accomplir sa promesse. When Jesus fulfills his promise,
les membres de ta famille vont commencer à chercher les frères qui leur avaient apporté la nouvelle et qu'ils avaient refusé, qu'ils avaient chassé. The members of your family will start seeking the brethren who came to preach the gospel to them, and then they drove them out. Certains vont te dire, mais tu ne me parles plus de votre affaire là. Pour venir maintenant accepter ce qu'il avait rejeté. Some others will then come later to accept what they rejected in the past. Certains vont venir seulement s'asseoir à l'assemblée sans discuter. C'est-à-dire, il vient, il s'assoit comme s'il était un ancien frère. Some will even come and sit down in the assembly without arguing, as if he was an old brother. Certains vont te demander pardon pour t'avoir persécuté. Some will ask you to forgive them for persecuting you, them. You, sorry. Et il y aura des cadeaux. And there will be gifts. C'est-à-dire des bénédictions. That is blessings. Que Dieu ajoute quand il y a le salut. That God adds when there is salvation. Ça va s'accomplir. It will be fulfilled. Dieu aura pitié de certains. Ils vont donner leur vie à Jésus juste quelques secondes avant d'expirer. God will have mercy on some others. They will give their life to Jesus just few minutes before they yield up the ghost. Parce que tu as prié. Because you have prayed. Dieu va dire, faites ça à cause de mon enfant. God will do it because of you. Dieu va dire aux anges, allez conduire celui-là au salut à cause de mon enfant qui a prié. God will tell the angels, go and lead this person to salvation because of my child who prayed. Et dans l'église, il y aura des grandes guérisons. And in the church, there will be great healings. Les frères vont expérimenter des guérisons. Même après la croisade, longtemps après, il y aura des grandes guérisons. The brethren will experience healing even long after the crusade. There will be great healings. Certains vont rêver qu'ils ont été amenés dans un laboratoire au ciel. On a changé les organes dans leur corps. Some will have a dream, have dreams that they have been taken into a laboratory in heaven, and that some parts of the body have been replaced. Prenons Isaïe 45. Let's take Isaiah 45. Lis pour nous le verset 5. Read for us, starting from verse 5. Jusqu'au verset 9. Up to verse 9. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Amen. Verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. C'est-à-dire Dieu est en train de donner des ordres pour le salut. That is God is giving orders for salvation. C'est comme ça qu'il travaille. And quand il va nous exaucer, when he grants us, il va demander que la justice soit libérée. He will ask righteousness to be released.
et que les cœurs des hommes s'ouvrent. Que la terre s'ouvre, là, c'est les cœurs des hommes. And for the hearts of men to be open. When he says when the earth, that the earth opens, it concerns the hearts of men. Même les gens qui ne voulaient pas croire. Even those who didn't want to believe. Quand Dieu dit que la terre s'ouvre. When God says, let the earth be open. Que la justice y fructifie. And that justice, righteousness makes fruits there. Même si tu n'avais jamais eu la foi, quand Dieu dit que la justice y fructifie, la foi est créée en même temps. And even if you have never got faith, when God said may justice makes fruit, bear fruit there, then you have faith. Il dit qu'il en sorte à la fois la délivrance. He said, let deliverance come out from it. Le ciel libère la justice. Heavens release justice. Elle produit le salut. It produces salvation. Et puis il y a des délivrances. And there are deliverances. Ça c'est les petits cadeaux. These are little gifts. Dieu ne peut pas initier une œuvre de salut sans envisager la délivrance et la guérison. God, Dieu ne travaille pas comme ça. God cannot start a work of salvation without planning healing. Mais il faut que les cœurs s'ouvrent. But hearts must be open. Ça sera après notre intercession. This will happen just after our intercession. Quand nous aurons touché le cœur de Dieu. When we have touched the heart of God. Quand nous aurons conduit le Père à exercer sa miséricorde, when ses compassions. We have led the Father to exercise his mercy and compassion. Et Dieu se laisse ce soir diriger par nos prières. God tonight let himself led by us willingly. Il dit, demandez-moi de ne pas détruire. He says, ask me not to destroy. Il nous dit, là où vous me voyez, il dit, je peux créer l'obscurité. Dieu peut créer une couche de ténèbres et la terre n'aura plus de lumière. And he says that, you see, where I am, I can create darkness. God can create a layer of darkness so that the earth has no more light. Un jour, j'ai eu une révélation sur le diable et les démons. I had a revelation over the devil and the demons. Le Seigneur me disait, and the Lord taught me, il a pris les démons et le diable, il les a enveloppés d'une couche de ténèbres. He says that he has taken the devil and the demons and he has surrounded them with a layer of darkness. C'est pour cette raison que vous ne pourrez jamais rencontrer le diable lui-même dans une rue. That's why you will never meet the devil himself personally. Le Seigneur dit que sinon il allait se pavaner dans les rues. He says that avec son orgueil. He will be blowing his own horn everywhere in the streets. Mais il n'est qu'un prisonnier de ténèbres. But he is just a prisoner of darkness. Toutes les pierres précieuses qui l'entouraient, Dieu a enlevé. All the precious stones that surrounded him, God has removed them. Donc, ce n'est pas de son gré qu'il se cache. So it is not by his own will il that he's hiding. De la lumière. He is deprived of light. Dieu a créé les ténèbres. God created darkness against him. Et Dieu a créé la lumière pour nous. And God created light for us. Vous êtes la lumière. You are the light. Hallelujah. Praise the Lord. Dieu va créer la lumière dans ta famille. God is going to create light in your family. Il n'y aura pas de confusion entre les vrais prophètes et les faux prophètes. There won't be any confusion between the true prophets and the false ones. Tout ce qui veut te tromper là, il va envelopper ça d'obscurité. Well, all those who would like to deceive you, he will surround them with darkness. Vous allez remarquer déjà, même les païens vont discerner. Les païens vont dire aux gens, si vous voulez croire, allez dans l'église de notre frère. Moi-même, j'arrive là-bas. You will see it. Even the unbelievers will discern it. They will say that if you want to believe, go to the church of my brother. I myself
I am on the way coming there. Donc, tenons-nous debout. So let's stand on our feet. Attendez un peu, s'il vous plaît. Wait a bit. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut mettre de l'ordre dans sa vie avant qu'on ne commence l'intercession? Qui veut donner sa vie à Jésus? Who would like to give his life to Jesus? Parce que si on commence par là, Dieu sera vraiment dans, il sera content. Because if we start there, God will be happy. Il y aura la joie au ciel. There will be joy in heaven. Come quickly. Il y a des prières qu'il ne faut jamais faire quand les gens sont encore dans le monde. There are prayers that you must never do when people are still in the world. Venez rapidement. Come speedily. Jésus vous attire à lui. Jesus is drawing you to him. Tous ceux qui sont dehors, qui veulent donner leur vie à Jésus, qu'ils entrent ici. All those who are outside and would like to give their life to Jesus, let them come inside here. Devant Dieu, il n'y a pas de grand. Before God, there's no time. Non, il n'y a pas de grand. There's no great man, great person. Il y a des gens qui aimeraient donner leur vie à Jésus, mais dans une chambre en cachette. Some would like to give their life to Jesus, but in a room, in hiding. Mais Jésus a dit, but Jesus said, celui qui aura honte de moi devant les hommes, he who is ashamed about me before men, j'aurai honte de lui devant mon père et devant ses anges. I too will be ashamed of him before my father and his Lève-toi angels. Et viens te donner à Jésus. Stand up and come and give your life to Jesus. Levez vos mains. Raise your hands. Vous allez donner vos vies à Jésus. You are going to give your life to Jesus. Et après cela, and after that, l'église va intercéder pour vous. The church is going to intercede for you. Vous ne serez plus les mêmes personnes. You shall no more be the same. Soyez sincères. Be sincere. Vous verrez la gloire de Dieu. You will see the glory of God. Avec Jésus, with Jesus, même si les sorciers t'ont déjà vendu, even if the sorcerers have already sold you, tu seras libéré. You will be freed. Les frères de Joseph l'ont pris, ils ont jeté dans une citerne. The brethren of Jesus took him and cast him. I mean, they put him in a pit. En fait, pour comprendre l'œuvre des sorciers, il faut étudier le comportement des frères de Joseph. For you to understand the work of the witches, you must study the behavior of Joseph's brothers. Quand ils ont su que leur frère sera grand, when they realized that the brother will be great, ils l'ont haï. They hated him. Première chose. First thing. Après, ils l'ont persécuté. After that, they persecuted him. Après, ils l'ont jeté dans une cité. Ils ont dit, tuons-le. And after, they cast him in a pit. And they said, let's kill him. Après, ils ont dit, non, ne tuons pas. Jetons-le dans la citerne. And after, they said, no, let's not kill him. Let's cast him in the tank. Le sorcier peut te haïr toute sa vie. A sorcerer can hate you all his life. Il peut te tuer. He can kill you. Il peut te vendre. He can sell you. Mais quand tu es un enfant de Dieu, but when you are a child of God, toutes les techniques de Satan à travers la sorcellerie ne tiendront jamais. The techniques of Satan through witchcraft will never reach you. Vous avez écouté comment un frère rendait témoignage. Les sorciers sont venus, le vent les a emportés. You saw how a brother was testifying. The sorcerers came and the wind took them away. Il n'est pas un pasteur, hein? C'est un simple frère comme vous. He's not a pastor, he's a simple brother like you. Une autre vague de sorciers est venue, le vent les a balayés. Another group of sorcerers came and the wind took them away. C'est comme ça que vous serez désormais.
Toute arme forgée contre vous ne tiendra jamais. Any arm against you shall not stand. Et ceux qui sont même vrais sorciers parmi vous, nous allons vous désenvoûter. Who are true with sorcerers among you will be disbewitched. Donc soyez sérieux dans vos prières. So be serious in your prayer. Tenons-nous debout. Let's stand on our feet. Demandez pardon à Dieu. Dis Seigneur, ask God to forgive you. Say Lord, forgive us. Forgive me. Demandez pardon. Just ask God to forgive you. Donc levez vos mains. So raise your hand. Demandez que la grâce de Dieu leur soit accordée. Pray for the grace of God to be granted to them. Prions ensemble. Let's pray together. Bon, ce que je vais vous dire, c'est quoi? What I want to tell you is, ceux qui doivent donner, ceux qui devaient donner leur vie à Jésus, those who were to give their life to Jesus, et qui ne l'ont pas fait, and who didn't do it, ne pourront pas prier. They won't be able to pray. Parce qu'il y a plusieurs types de prières, mais les prières pour la délivrance reposent sur ton identité d'enfant de Dieu. There are many sorts of prayer, but the prayer for the deliverance rests on your identity of child of God. C'est bien que quand tu as refusé de donner ta vie à Jésus, so that when you have refused to give your life to Jesus, tu ne peux plus prier. You can no more pray. Parce qu'il y aura des moments où je veux dire, proclamons que nous sommes enfants de Dieu. Because at times I will say that let's proclaim that we are children of God. Alors, si tu ne l'es pas, if you are not a child of God, les démons t'attendent à la maison. The demons are waiting for you at home. Alors que tu pouvais le faire en une phrase, ils ont fini. Ils sont déjà Whereas you could have done it, it is in a word, you could do it. Jésus a dit, celui qui croit et qui me reçoit devient enfant de Dieu. Jesus said that the one who believes and receives me becomes a child of God. Faites comme lui. Lui, il est sage. Do as him. He is wise. Venez rapidement maintenant. Come quickly now. Et si tu as carrément refusé, tu t'assois pendant que nous prions. Si tu t'assois sans prier, c'est bien même pour toi. So if you have, je vous dis là une vérité, je vous if you have refused, then you just sit down while we'll be praying. La Bible dit que si quelqu'un refuse d'écouter la loi, the Bible says that if someone refuses to listen to the law, sa prière est une abomination. His prayer is an abomination. C'est par arrogance que les gens peuvent prier quand ils ont déjà refusé Dieu. It is by pride that people can pray when they have refused God. Parce que quand tu refuses de donner ta vie à Jésus, when you refuse to give your life to Jesus, c'est pourquoi? Parce que tu veux pécher. Why? Because you want to sin. Tu veux la liberté. You want freedom. Tu as peur de laisser le monde. You fear to leave the world. Tu as des excuses. You find excuses. Il y a des gens qui pensent que tout le monde est enfant de Dieu. C'est une erreur. Some people think that everybody is a child of God. Tous les hommes sont des créatures de Dieu. It's a mistake. All men are creatures of God. Privés de la gloire de Dieu parce qu'ils ont péché. Short of the glory of God because they have sinned. Ça c'est les ABC de la doctrine du salut. This is the ABC of the doctrine of salvation. Tous ont péché. All have sinned. Ils sont privés de la gloire de Dieu. And fall short of the glory of God. Donc ne pense pas que tout le monde est enfant de Dieu. So do not think that everybody is a child of God. On devient enfant de Dieu par choix volontaire de suivre Jésus. We become a child of God by a deliberate choice to follow Jesus. Tu acceptes. You accept
que tu auras un seul maître. That you'll have only one master. Jésus a dit qu'aucun serviteur ne peut avoir deux maîtres. Jesus said no servant can have two masters. Il disait pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur alors que vous n'obéissez pas à ce que je dis. And he was saying that why do you call me Lord, Lord, but you do not obey what I say. Il disait qu'à la fin du monde, les gens vont venir lui dire que mais nous avons chassé les démons, nous avons prié, nous avons prophétisé. Il va leur dire je ne vous ai jamais connu. Vous étiez des ouvriers du péché. He said that at the end of the world, people will come and say that we cast out demons and we worked miracles in the name. Donc, but he will say that I have never known you because you were workers of iniquities. Donc, lève-toi et viens rapidement. So rise up and come speedily. Le Seigneur aura pitié de toi. The Lord will have mercy on you. Donc si tu n'as pas voulu, reste assis. Maintenant nous allons commencer la prière. So if you have refused, then remain sitting because we are going to start the prayer. Il y a d'autres prières que tu peux élever. There are other prayers that you can lift up to Par God. Par exemple, si je dis oh Dieu pardonne-nous, tu peux dire ça. For example, mais là où nous sommes là, où nous sommes déjà des enfants de Dieu qui entrent dans leur ministère. Dieu dit cherche un et nous lui disons nous sommes là. Because if I say let's pray for God to forgive us, you can do it. But at this level, we are children of God who wants to get into our ministry because God said that he's seeking one and we are these people. Même si tu viens de donner ta vie à Jésus. Even if you have just given your life to Jesus. Vous pouvez déjà dire à Satan nous te chassons. You can already tell Satan we cast you out. Le frère qui était là, il vit dans un village. The brother who was here is living, he lives in a village. Il ne touche même pas les sorciers. He does not even touch. Le vent de Dieu les balaie. He does not even touch the witches, but the wind of God takes them away. Levons nos mains. Let's raise our hand. Dis Seigneur. Say Lord. Je suis là. I'm here. Et tu pries avec foi. And you pray with faith. Frère, il ne te manque rien. La Bible dit Élie est un homme de la même nature que nous. The Bible says that Elijah was a man of the same nature as us. Tu peux changer. You can change ta famille. Your family. Dis Seigneur. Say Lord. Tu as dit que tu cherches un homme. You said that you are seeking a man. J'ai entendu. I heard it. Tu as permis que j'entende cela. You allowed me to hear it. C'est une grâce. It's a favor. C'est un privilège. It's a privilege. Que ton appel tombe dans mon oreille. That your call falls in my ears. Dis Père. Say Father. Je suis là. I'm here. Ce que tu as vu est vrai. What you saw is true. Il y a le péché partout. There is sin everywhere. Les enfants désobéissants. Disobedient children. Des ivrognes. Drunkards. La prostitution. Prostitution. La sorcellerie. Witchcraft. La jalousie. Jealousy. La violence. Violence. Les rancunes. Rancors. Continue à confesser. Continue to confess. Dis oh Père. Say oh Father. L'inceste. Incest. Les grands et les petits. Great and little. Tout le monde. All. En pensée. In thought. En parole. In words. And in action. Continue à prier. Continue to pray. Continue à confesser. Continue à confesser. Kura bakasha, karaga bakasha, karaga bakasha, karaga bakasha. Dis oh Père. Say oh Father. Regarde notre misère. Look our misery. La misère. Misery. La pauvreté. Poverty. Les frayeurs. Les angoisses. Anguish. Il n'y a point de paix. Point de repos. Nous sommes perdus. We are lost. Je te supplie. I plead with you. Pardonne, Seigneur. Forgive. Continue à intercéder. Kalaba kalaga kalaga kalaga. Uraga kalaga 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 kalaga. Uraga kalaga jor baga goba jor baga. Uraga kalaga jor baga goba jor baga. Uraga kalaga jor baga goba jor baga jor baga. Oh Père, regarde la misère, la misère, la misère.
La pauvreté, la pauvreté, la pauvreté. L'idolâtrie, l'idolâtrie, l'idolâtrie. La méchanceté, la méchanceté, la méchanceté. Oh, la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie. Pardonne, pardonne, pardonne. Aie pitié, aie pitié. Dis éternel. Say, Lord. Frappe d'obscurité. Strike with darkness. Tout ce qui brille faussement. All those who pray falsely. Pour séduire. To seduce. Pour tromper. Destroy. Crée l'obscurité. Create. Contre les faux anges de lumière de Satan. Against the false angels of light of Satan. Frappe d'obscurité. Strike with darkness. Envoie la lumière, Seigneur. Bring light. Sur ton œuvre. On your word. Bénis tout livre qui parle sincèrement de toi. Bless any book that talks sincerely about you. Bénis les traités, bénis les hommes. Bless the quack, bless men. Bénis les vrais évangélistes. Bless the true evangelists. Les vrais pasteurs, les vrais apôtres. Bless the true pastors and true apostles. Les vrais docteurs. Bless the true doctors. Envoie-les dans la famille. Send them in my family. Oh Père. Oh Father. Ouvre les cœurs. Open the hearts. Ordonne comme tu l'as promis dans Isaïe 45. Command it as you promised in Isaiah. Que les cœurs s'ouvrent. That hearts be opened. Que le salut y fructifie. That salvation bear fruit. Qu'il en sorte à la fois la délivrance. That they receive deliverance. Continue maintenant à prier. Demande à Dieu toutes sortes de délivrances. Les stériles guéris. As all kind of deliverance. Les malades. That those who are barren be healed. That the sick be healed. Que le salut y fructifie. Qu'il en sorte la délivrance. Oh Père, qu'il en sorte la délivrance. 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 Karamalaka sharabakalaka sharabaka. Churabaka sharabaka sharabaka. Churabaka sharabaka sharabaka. Churabaka sharabaka. Churabaka sharabaka. Churabaka sharabaka. Lève tes deux mains. Raise your two hands. Père, say, Father, que tout ce qui glorifie Satan s'écroule. Let all things that glorify Satan be overthrown. Tu as dit que maintenant a lieu le jugement de ce monde. He said that now is the judgment of this world. Maintenant le prince de ce monde sera jugé, jeté dehors. And he said that now the prince of the world will be judged and cast out. Dis, Seigneur, say, Lord, que son œuvre s'écroule. Let his work be crushed. Que tout s'écroule. Let everything be crushed. Tout ce qui glorifie le diable s'écroule. Let everything that glorifies the devil be crushed. Que tout rassemblement qui glorifie Satan soit dispersé. Any gathering that glorifies Satan be dispersed. Que ses armées soient dispersées. Let his army be scattered. Que son œuvre soit ruinée. Let his work be ruined. Qu'il perde tous les adeptes. Let him lose all the followers. Seigneur. Lord. Tu l'as promis dans Jean chapitre 12 verset 32. You promised in John chapter 12 verse 32. Que quand tu seras élevé. That when you will be lifted up. Tu attireras tous les hommes à toi. You shall draw men to you. Attire les hommes. Attire les enfants. Draw the children. Attire les adultes. Draw the attire les vieillards. Draw the old men. Continue à intercéder. Oh Père, attire Hubert, attire les petits, dis, oh Père, say, oh Father, agis selon tes compassions. Act according to your compassion. Agis selon ta miséricorde. Work according to your mercy. Agis selon ton amour. Work according to your love. Dis, Père, say, Father, sois jaloux de ta gloire. Be jealous of your glory. Continue à intercéder. Continue to intercede. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis Satan. Say Satan. Tu as compris le jugement de Christ. You understand the judgment of Christ. De Jean chapitre 12 verset 31. Of John chapter 12 verse 31. Que l'heure est venue. Yeah.
où tu dois être jugé. That you must be judged. Et jeté dehors. And be cast out. Je t'ordonne. I command you. Au nom de Jésus que j'adore. In the name of Jesus. Au nom de Jésus que j'adore. In the name of Jesus. Au nom de Jésus qui nous a donné son pouvoir. In the name of Jesus, sors de ma famille. Get out from my family. Sors. Cast that out. Sors même du village. Get out from the village. Sors, va-t'en. Get out. Nous n'avons pas besoin de toi. We don't need you. Nous n'avons pas besoin de toi. We don't need you. Nous n'avons pas besoin de toi. We don't need you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous brisons tes idoles. We break idols. Nous brisons tout objet. We break any object. Que tu as introduit dans la famille. That you introduce in the family. Nous brisons toute tradition. We break any tradition. Nous renversons les coutumes. And we overthrow customs. Nous les jetons dans l'oubli. Nous restaurons la vie de Dieu. And we restore the life of God. La bonne manière de vivre de Dieu. The real way of living of Au God. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Continue à intercéder maintenant. Continue to intercede. Dehors, va-t'en vite. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Satan. Satan. Je te chasse de ma vie. I cast you out of my life. Parce que Jésus a payé le prix. Because Jesus paid the price. Par son sang précieux. By his precious blood. Dis la parole précise que le sang précieux. Say the word to say that the le sang précieux. Blood, the precious blood. De l'agneau. Of the lamb. Le sang de Jésus a été versé pour moi. The blood of Jesus was shed for me. Je t'ordonne. I command you. Sors de ma vie. Leave my life. Et ne laisse rien de ce qui t'appartient. And leave nothing of what belongs to you. Ramasse tout ordure. Take anything that belongs to you. Go with it. Go with it. Go with it. Dis, je proclame. I proclaim que j'ai été racheté. I have been redeemed de la vaine manière de vivre. From the vain way of living. De mes parents. Of my parents. Des vaines coutumes. The vain customs. Des vaines traditions. The vain traditions. Je n'en suis plus esclave. And I'm no more slave. Et Satan. Satan. Même si. Even if je t'ai visité un jour. I visited you one day. À travers les marabouts. Through marabouts. Je me suis repenti. I repented. Et je regrette de l'avoir fait. And I regret from doing it. Je te commande. I command you. De ne pas me résister. Do not resist me. Je te chasse de ma vie. I cast you out of my life. Dis, mari de nuit. He said, night has been. Ou femme de nuit. Or night wife. Ou femme en esprit. Wife in the spirit. Ou mari en esprit. Or husband in the spirit. Appelle comme tu peux l'appeler. Dis-lui de partir. Command you to go. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Jésus a annulé. Jesus has killed. Le mariage. Va-t'en. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Dis Satan. Say Satan. Que tout ce que tes agents ont avalé soit vomi maintenant. Let all you and your agents swallow be vomited now. Qu'ils soient des esprits ou des êtres humains, que soient vomis, que cela soit vomi. Whether they are spirit of or living being, let's vomit them. Dis au nom de Jésus. Say in the name si of Jesus. C'est enfoui dans la terre. If it is deep in down. Nous exhumons tout cela. We take it out now. Nous faisons sortir cela de terre. We take them out from earth. Partout où ça a été caché. Wherever it has been hidden. Même si c'est sous l'eau. Even if it's under the water. Nous faisons sortir cela de l'eau. Take it out now. Nous libérons la santé, les mariages, la richesse. Wedding, health, marriage. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis,
au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Par le pouvoir reçu de Christ. By the power received from Christ. Nous commandons. We command. Que tout organe malade. That any part of the body sick. Dans un corps humain dans in, cette salle. In a human being. Soit guéri maintenant même. Must be healed now. Nous créons la guérison. We create healing. Nous l'amenons à l'existence. We bring it into existence. Dans les corps physiques. In a physical quelle body, que soit la maladie. Whatever the sickness. Quelle que soit la maladie. Whatever the sickness. Quelle que soit la maladie. Whatever the sickness. Quelle que soit la maladie. Whatever the sickness. Pose la main sur ta tête. Pendant qu'on prie. Lay your hand on your heart. Tu demandes la guérison pour ton mal spécifique. Nous créons, dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous créons la vie. We create life. Là où il y a la mort. Là où il y a la mort. Nous réparons au nom de Jésus. We repair in the name of Jesus. Ce qui est gâté. What is, tout ce qui est gâté. Point, whatever is tout ce point, qui est tordu. Whatever is, nous le redressons. We make, nous exerçons le pouvoir. And we exercise que Christ power nous a donné. That Christ gave us, pour briser les chaînes. To break the chains, et libérer les captifs. And release the captives. Et nous disons captifs. And we say captives. Soyez libérés. Be released. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Dieu, au nom de Jésus-Christ. Say in the name of Jesus. Nous brisons les prisons. We break prisons. Nous brisons les prisons. We break chains. Nous les cassons. We break them. Nous libérons les captifs. We release captives. Nous commandons aux captifs de sortir. We command captives to get out. Être libre. To be free. Libre. Free. Libre. Free. Libre. Free. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous détruisons les forteresses. We destroy strongholds. Partout où l'ennemi s'est caché. Whatever they are. Nous démolissons les forteresses. We just demolish them. Nous bénissons l'œuvre de Dieu dans nos vies. And we bless the word of God in our lives. Nous prions en langue. Let's pray in tongues. Galabakashargalabakashargalabakashargal. Ora bakashargalabakashargalabakashargal. Ora bakashargalabakashargalabakashargal. Ora bakashargalabakashargalabakashargal. Ora bakashargalabakashargal. Ora bakashargalabakashargal. Ora bakashargalabakashargal. Gardez le silence. Let's keep silent. Assieds-toi. Get seated. Allez vous asseoir dans la salle. Go and sit in the room here. Gardez toujours le silence. Let's still keep quiet. Que l'équipe de guérison rende ministère à la maman. Let the team of healing minister to that woman. Allez partout, il y a un esprit qui se manifeste. Go everywhere, the spirit is manifesting. Qui a reçu sa guérison? Who has received his healing? Lève la main. Raise your hand. Viens rendre témoignage. Come and testify. Satan, si tu dois partir, va au nom de Jésus. Satan, if you have to go, go in the name of sans Jesus. Résister. Without resisting. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. We've been redeemed by the precious blood of Jesus. Karabashiro bakashara bakashara bakashara. Kora bakashara bakashara. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Go in the name of Jesus. Et ne reviens plus. And do not come anymore. J'expose tout démon qui veut se cacher. We expose any demon who would like to hide. Je détruis ta cachette. I destroy your hiding place. Je détruis ta cachette. I destroy your hiding place. Je t'expose au jugement de Dieu. I expose you to the judgment of God. Je détruis ta forteresse. I destroy your stronghold. Je détruis ta forteresse. I destroy your stronghold. Je détruis ta forteresse. I destroy your stronghold. Tu dois partir. You must go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Esprit méchant. Wicked spirit. Tes œuvres sont exposées. Nous
cassons ta cachette. We break your hiding place. Nous enlevons le voile. We remove sous lequel tu te caches. On which you are hidden. Va-t'en vite. Nous brisons. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Je te renverse. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous brisons les verrous de fer. We break. Nous brisons les verrous de fer. We break the iron. Nous brisons les chaînes des reins. We break the chains. Nous libérons les captifs. And we release the captives. C'est le jour du jugement. It's the day of judgment. C'est le jour du jugement. It's the day of judgment. Les méchants dehors. The wicked one outside. Les méchants dehors. Wicked ones outside. Et Jésus sur le trône. And Jesus on the throne. Les méchants dans la poussière. Wicked in the dust. Jésus sur le trône. Jesus on the Jésus throne. Sur le trône. Jesus on the throne. Frère, sois béni. Il m'appelle le frère Yaoni Adamo Noël. Tout à l'heure qu'on priait, depuis des années, pour attendre c'est difficile. Mais tout à l'heure qu'on priait, quand le pasteur dit qu'on a qu'à poser les mains où on a mal. Il dit, mon frère, j'ai reçu la guérison. Le Seigneur m'a délivré. Je n'attendrai pas bien pour attendre c'est difficile. J'attends mieux maintenant que ça. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Gloire à Dieu. Moi, je suis la sœur à sœur Vanessa Stéphanie. En effet, depuis le mois de février, je traîne des douleurs au niveau du bas-ventre. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que j'avais des myomes. Mais quand les règles viennent, ça fait 37 jours, souvent même 24 jours, je perds le sang, je ne comprends rien. Quand je venais, je me rappelais d'une parole que c'est par la maîtrise du Seigneur que je serai guérie. Et la semaine passée, les menstrues sont venues. Vraiment, j'étais inquiète. Je disais, hey, Seigneur, la période est arrivée encore. Que dois-je faire? Mais les menstrues sont finies le vendredi. Et depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'a guéri des pertes de sang. Je voulais lui rendre toute la gloire, l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis la sœur Kwaku Mireille. Je veux dire merci infiniment au Seigneur d'un mal qui m'a guéri. Quand la prière a commencé pour la guérison, j'ai senti un mal au niveau de mon bas-ventre qui est descendu dans le rectum et qui est revenu dans le col de l'utérus et dans l'utérus. Et c'est comme si on était en train d'extraire et la douleur est partie. Et je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Acclamons pour Jésus. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Nguessanlis. Je vais dire merci au Seigneur. Mon faisant de disciples, c'est la sœur Yvette. J'ai dit merci au Seigneur. Lorsqu'on priait, il y avait mal ici. C'était boule. Un coup, il a fermé mes yeux. Ça fait moins un coup. Donc, je vais dire merci au Jésus-Christ. Seigneur. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Nicole. Quand je venais, j'étais malade. J'avais froid. Et puis mes pieds, la douleur descendait dans mes pieds. J'avais mal à la tête. C'est ma fille qui a attrapé ma main, puis on est venu ici. Quand je suis venue m'asseoir sur une bâche, ma voisine qui est assise à côté de moi, je lui ai dit, j'ai froid et puis je suis malade. Elle dit, il faut avoir la foi, tu as guéri avant la fin de prière là. Elle est assise au dehors là-bas. Donc quand le pasteur a dit tout à l'heure, on a fini de prier, froid là est parti, j'étais fermée à mon pain, froid est parti, mot de tête, je suis guérie. Je veux dire merci à Dieu.